que m'évoque cette nouvelle ouverture donc de l'école d'Alzon Gros-du-Roi? Un immense plaisir, parce que en fait c'est ma 7e année en tant que directeur diocésain et c'est la première école que j'ouvre. Ouvrir une nouvelle école, c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire. Et vu les effectifs de cette année, je vois qu'il y a un beau potentiel pour l'avenir. Donc longue vie à l'école d'Alzon Gros-du-Roi. Et quelle joie de pouvoir accueillir ce soir les parents d'élèves de notre école primaire qu'on vient d'ouvrir au Gros-du-Roi. Ce qui fait qu'on peut annoncer aujourd'hui qu'on a une proposition complète entre notre école, notre collège et le lycée La Mercier à la Grande Motte pour celles et ceux, parents dans le sud du département, qui souhaitent nous confier leurs enfants. C'est une école qui s'ouvre avec deux classes. On accueille aujourd'hui 69 enfants et je crois que il y a quelques années, quand on a démarré le collège, on était loin d'espérer ceci. Ben, c'est une superbe journée et on est très heureux d'accueillir ce soir tous ses parents. J'ai une bonne maîtresse et on travaille bien ici.